Ah non! C'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire... Oh Dieu. Bien des choses, en somme. En variant le... Et par exemple, tenez! Agressif? Moi, monsieur! Si j'avais un tel nez! Il faudrait, sur le champ, que je l'amputasse. Amical! Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire. Faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux? Que paternellement vous vous préoccupâtes. De tendre ce perchoir à leur petite patte. Truculent. Ça, monsieur. Lorsque vous pétunez. La vapeur du tabac vous sort-elle par le nez? Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée. Prévenant. Gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids. De tomber en avant. Sur le sol. Tendre. Faites-lui un petit parasol. De peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle. Hippocampe éléphanto camélos. Dû t'avoir sous le front tant de chair sur tant d'eau. Cavalier. Quoi l'ami, ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Oh, fatigue. Qu'un vent ne peut, né magistral, autant aimer tout entier. Acceptez le mistral! Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne? Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visitons. Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. Ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard! Hé, hardé! C'est-y un nez? Nana, c'est Cuc-navet géant. Ou un Cuc-melon-na. Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros loup. Enfin, parodiant Pyram en plein son lot. Voilà donc ce nez qui détrait de son maître. Ah! Ah, ah, détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit. Si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit? Oh, le plus lamentable des êtres. Vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres? Vous n'avez que les trois qui forment le mot. Saut! Saut! Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là? Devant ces nobles galeries? Me servir toutes ces folles plaisanteries. Que vous n'en eussiez pas articulé le cas. De la moitié. Du commencement d'une. Car je me les sers moi-même. Avec assez de verve. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve.